Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout peuple français, gouvernement français. J'ai un message pour vous. Déjà, je compatis pour ces victimes qui se trouvent en Israël, pour ces victimes qui se trouvent en Palestine, pour ces familles qui recherchent toujours leurs enfants du côté d'Israël qui sont emprisonnés par le Hamas. Je condamne fermement cette barbarie du Hamas, fermement, je condamne cela. Et je condamne aussi fermement ce que Israël est en train de faire à Gaza, bombarder les hôpitaux, bombarder ceci. Oui, certes, vous voulez vous venger, il faut cibler vos cibles, il faut pas cibler la population, il faut pas envoyer des gens dire sortez du pays, allez là-bas et vous bombardez. Non, ça ne se fait pas. Franchement, sachant que Israël, Palestine, tout ça, ce sont des noms qu'on prononce beaucoup dans la Bible. Et c'est là où il y a plus de trucs. Et alors, tout ce que je vais vous demander, sincèrement, surtout au peuple français, vous savez le pourquoi il y a des attentats toujours en France, que ce soit dans d'autres pays, parce que les Français, le gouvernement français, prend toujours parti. Le gouvernement français prend toujours parti. Le gouvernement français n'est jamais neutre. Regardez toujours, moi c'est ma remarque, c'est ce que je pense. Regardez, quand il y a eu en 2003 que les États-Unis ont envahi l'Irak et que les Français, le président Chirac, a dit non, la France lave ses mains, la France ne part pas. Est-ce qu'il y a des attentats en France? Est-ce qu'il y a des attentats en France? Non. Mais à chaque fois que la France met la bouche dans ce qui ne lui regarde pas, il y aura toujours des attentats. Regardez en 2011, regardez en 2012, regardez tout ce qui s'est passé, Bataclan, machin, truc. Parce que la France dit, on va aller enlever Bachar al-Assad, on va aller faire ceci. Et les gens, vous oubliez que la France est un pays qui accueille beaucoup des étrangers. Et parmi ces étrangers, il y a des extrémistes à l'intérieur. C'est clair et net. Et la France, normalement, c'est un pays qui doit apporter de la paix. La France n'est pas le gendarme du monde. La France n'est pas le policier du monde. Vous ne devez pas être ça, parce que les gens qui tuent, qui viennent faire les attentats en France, qui viennent tuer les Français, c'est à cause de vous, parce que vous êtes toujours parti pris. Il est vrai, vous avez les relations, la France a des relations avec Israël, tout ça, c'est tout, mais il faut prôner, il faut la paix, il faut dire cessez le feu, il faut toujours la paix. La paix, c'est très très important, parce que quand vous ne voulez pas la paix, c'est les pauvres Français innocents qui vont mourir, parce que ces gens-là, ces extrémistes-là, ces islamistes-là, qui ils sont là, ils attendent seulement ça pour dire ok, comme vous partez là, comme vous faites ceci, non, on fait ceci dans votre pays. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Il faut la paix, cher gouvernement français. Laissez les va-t-en-guerre, laissez les trucs de va-t-en-guerre, machin, truc. Je vois les médias, ils ont dit oh, Israël, Israël, Israël. Oui, on est pour Israël. On est pour contre ce qui se passe en Israël. Et on est contre ce qui se passe en Palestine. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il faut prendre les deux côtés en fait. Oui, tu m'as attaqué, je dois me venger, mais je dois me pas me venger sur tes enfants, bien sûr, je dois me venger sur toi, toi qui m'as attaqué. Toi, c'est qui? C'est le Hamas. Le Hamas, c'est qui? Ils ont des endroits spécifiques où ils ont des armes, machin, truc. Ils doivent faire cela. C'est tout et c'est clair. Parce que vous bombardez les enfants, les trucs, on voit les trucs là. C'est pas cool. C'est pas cool, Israël. Et en plus, c'est parce que les États-Unis, la France, machin, tu vous montres. C'est ça. Et je voulais dire à mes frères belges de ne pas entrer dans ça. Au gouvernement belge de ne pas entrer dans ça. Je parle comme ça parce que je suis belge. Au gouvernement belge de ne pas entrer dans ça. Parce que quand ils entrent dans ça, on voit ce qui se passe à Bruxelles. Il faut toujours voir que quand ça commence en France, ça termine à Bruxelles. C'est toujours comme ça. Essayez, s'il vous plaît, d'éviter cela. Protégez votre population, cher gouvernement français. C'est tout ce que on vous demande. Protégez votre population. Soyez même, parce que le monde est un monde hypocrite. Soyez même des hypocrites, c'est tout. Mais ne cherchez pas à vouloir jouer les gendarmes dans le monde. Et tout. Ne cherchez pas à vouloir jouer les gendarmes dans le monde. Parce que jamais Israël jamais n'entrera en guerre si la France est en guerre. Jamais. Ils ne vont jamais envoyer leur armée si vous êtes en guerre. Jamais de la vie. Mais vous êtes toujours derrière, 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 derrière. La paix et rien que la paix, c'est tout. Et les médias vont en guerre là, qu'ils racontent n'importe quoi là. Arrêtez un peu, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez. Merci.